What's up la famille? On est là, on a fini l'avion, on a fini toutes les petites conneries. La petite Wayne elle est là, on se passe mettre devant la vidéo. si. Donc on est arrivé les potos à l'aéroport. Maintenant je vais essayer de faire des petites prises un petit peu à droite à gauche parce que j'ai la flemme de sortir mon appareil photo, je suis rincé en plus. Et bah nous voilà, fais un petit coucou Wayne. Si les frérots, ça y est, on est là, on est en vacances. Et oui, ça y est, petit LVDG, si vous voyez que je vous fais pas tout voir, c'est parce que c'est le premier jour, je suis complètement rincé, mais regardez-moi ça derrière. Si les frères, vous avez vu, le focus il est magnifique. Je suis refait. Yo, tranquille ou quoi les potos? Et bon, on est là, on se retrouve, ça y est, enfin je suis dans l'hôtel. Et ouais, ça y est, on est enfin en vacances. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Wayne qui est en train de prendre sa douche, frérot. Donc on est là, je suis dans l'hôtel, j'ai le petit retour de caméra maintenant, ça fait trop zizir. Donc les protos, si ça vous dit, je vais vous faire une petite visite un petit peu de ma chambre d'hôtel. Donc aujourd'hui, comment ça s'est passé? C'est qu'on a pris l'avion ce matin à 7h, super rincé, on est arrivé vers 10h30, pour après prendre le car, faire une heure de car, pour après se poser, et enfin déballer les affaires. Du coup, je suis arrivé aujourd'hui, il devait être 17h, je suis super rincé, je vais vous faire une petite vidéo. Ou que je suis en train de tourner vite fait dans tout le camping, mais je pense que je vous ferai plutôt demain ou après-demain. Donc vu que là, je vais faire une petite vidéo de 10 minutes, je vais vous faire un petit peu les petits passages quand j'étais à l'aéroport, et je vous ferai un petit peu une petite visite de ma chambre, les frères. Donc là, on va se faire une petite visite de la chambre. Ok, LM, déjà, regardez les potos. Il faut savoir qu'on est dans une chambre de luxe. Ça, c'est la porte, tu vois. J'ai pas besoin de te montrer à quoi ressemble une porte. Si, mon père. La porte. Attends, je vais faire un truc. Je vais changer l'angle de caméra. Ah non, mais je peux faire ça maintenant, regarde. Je peux faire ça comme ça maintenant. Voilà les frères. Tu vois? Ça c'est Brutti quand il arrive maintenant avec son Nikon Copix B700, mon frère. Donc on est là, on rentre, tu vois. Du beau parquet. On est là. Ça, salle de bain, toilette, je vous ferai voir après quand Wendy sera sortie. Ça, grande armoire. Vous voyez pas parce qu'il y a un truc, tu vois. J'ai mis les valises là, j'ai mis le bordel. Voilà les potes. Ça c'est la petite chambre. Attends, on a un petit peu nettoyé. Mais c'est quand même le darwa les frères. Voilà la chambre, super spacieuse. Mais je suis dégoûté, c'est que regardez. C'est Google, on a pris un lit king size. Et ils en ont mis deux lits de 2 mètres. Enfin de 2 lits de 2 places. Donc c'est à dire que celui qui va être là, il va dans le trou. En tout cas le lit, il est immense mon frère. Regarde. On dirait un bateau frère. Même la tête de lit. Hein. Donc voilà les potes. La tête de lit, tu vois. Hop. Là, c'est les vieilles couettes. J'avoue que les couettes à fond. Horrible. Regardez la télé. Regardez. Regarde mon frère, télé du bled. C'est les chaînes du pays où je suis. Je te dis pas où je suis. Parce que je te dirai ça que dans une vidéo ou deux. Regarde-moi ça mon frère. Qualité à l'ancienne, on est au bled gros. Je te mets pas la langue parce que si je mets la langue, je pense que tu vas te trouver. Ouais, je vais te mettre la langue, tiens. On va voir si t'es balèze. Pas de problème. Je te bois. Comment bon, déjà, quand il décide de parler. Ouais, j'ai sérieux ou quoi? Ouais, comme par hasard, je vais vous mettre la langue. Il parle pas lui. Voilà les frères. Voilà. Vous avez vu ça, c'est un énorme. Regarde mon gars, ça c'est un énorme miroir frère, t'as vu je suis là, tu vois, je suis là mon gars, je suis là dans mon putain de lit frérot, si, donc là je t'ai fait voir un petit peu la chambre, je vais te voir après la salle de bain parce que Wayne a lié, et je vous ferai voir bien l'hôtel demain les frérots, parce que là en pleine nuit vous allez rien voir, et puis je suis rincé, j'ai vraiment envie de me mettre au lit, mais je vais vous faire voir un petit truc, c'est le pied les frères, je vais vous faire voir maintenant, pendant 3 secondes, ce que je vais voir tous les matins quand je vais me réveiller. Là, il fait nuit, vous allez peut-être pas bien voir, mais je vais vous faire un petit peu qu'est-ce que ça fait. Quand le matin, je vais me lever, j'ai la petite loupiote là. Ouais, vous allez me dire, ouais, c'est une petite vidéo un petit peu bizarre, mais ouais, je vous fais voir. Moi, je suis comme ça, pas de coupage, pas de montage, pas d'effets spéciaux, des flammes, de la musique ou je sais pas quoi. C'est juste, je papote devant ma cam, mais je fais ma life, les frères.
Donc on refait un petit dernier tour après. Regardez un petit peu. Je vais vous faire un petit peu. Qu'est-ce que ça va être pendant 3 semaines quand je me lève. Donc quand je me lève, je vais aller là, les frères. Tu vois. Je vais aller là, mon frère. Donc déjà, je vais sortir de celui-là. Je vais aller tout droit. Oh, matin, gros. Le frigo abruti. Regardez, les frères. J'ai pas abruti pour rien. Tout à l'heure, j'étais au self. J'ai pété des bananes. Deux bananes directes, frère. Deux bananes. Et un whisky coca que j'ai mis au frais. Bon voilà, je vais vous faire un petit peu, ça c'est le mini frigo, on s'en bat les couilles, de toute façon on est en all inclusive, c'est-à-dire qu'on paye pas la bouffe, on paye pas les glaces. Regardez, tu vois, j'ai le bracelet là, frère. Ça c'est all inclusive, je paye pas les glaces, je paye pas la bouffe, je paye pas les cocktails, et on a pris all inclusive avec alcool, mon frérot, c'est-à-dire que je paye même pas les verres d'alcool. Donc voilà, qu'est-ce que ça va faire quand je me lève le matin. T'entends, ma petite terrasse au câble, j'ai mon ordi, les frères, j'ai tout ramené. Ma petite chaise, regardez. Oh là 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 là. T'as vu ça, mon frère? Ça c'est ma terrasse, je te fais pas voir cette bordel. Ma petite terrasse avec la lumière qu'on n'allume pas. Regarde ça, mon frère. T'as vu? Regarde, la piscine elle est plus grande que mon quartier de chez moi. La piscine a fait tout le quartier de chez moi. T'as vu, gros? Elle fait tout. T'as 5 piscines. T'en as une là, t'en as encore une là-bas. Une autre là-bas et une autre là-bas. De toute façon, ça les frères, je vous ferai voir demain. Oh, ça fait stylé les frères. Oh là 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 là. Je vais passer des bonnes vacances en plus avec ma chérie. L'avion, il a bien décollé. On a bien atterri. Donc vous avez vu, méga grosse piscine. Bigos mon frère, bigos. Allez les frères, sur ce, moi je vais arrêter la vidéo là. Parce que c'est vraiment une petite vidéo courte où je vais voir un petit peu mon appart. Où est-ce que je suis. Et demain... je vous ferai une vidéo où je vais vraiment faire tout le tour du camping, tout le tour de l'hôtel, pour faire tous les trucs qu'il y a. Après, on va aller dans la ville, on va faire des activités, on va faire ci, on va faire ça. Et on va même faire du breakdance, les frères. Donc là, sur ce, je vais vous dire un petit au revoir. Mais vous inquiétez pas, je reviens dans 30 secondes parce que j'attends que Wayne termine sa douche pour pouvoir vous faire un peu la salle de bain. Parce que la salle de bain, ah, la salle de bain, elle est magnifique, les frères. Hop, là, je vous montre la salle de bain, les potos, parce que Wayne, elle a fini de faire sa douche. Donc, on va faire en vitesse. Donc là, vous voyez, comme d'hab, hein, une baignoire douche. On a déjà pris nos petits trucs au calme. Ah ouais, t'as vu? T'as le pommeau pour faire ta douche là-haut. Et ta baignoire, ok, nickel. Ça, le beau gosse qui est dans le miroir, c'est moi les frérots. Énorme miroir. Sèche-linge, non, sèche-linge, sèche-cheveux plutôt. Petit lavabo. Par contre, je trouve que c'est bien les petites poignées en or là. Et le marbre au sol. Nickel. Sans sol, que du marbre les frères, vous avez vu. Baignoire en marbre, tout. Petit lavabo, nickel. Et quand tu vas aux toilettes, hop, les toilettes c'est là, juste à côté. Non, elle est bien, sérieusement. Ah, la petite porte pour s'il y en a qui veulent aux toilettes. Ah, si, gros. Ah, c'est bien pensé ça. La petite porte pour s'il y en a qui veut faire un cake et l'autre il prend sa douche. Hop. Les toilettes, ouais. PQ, encore en marbre, bigos, il fera des belles petites lumières. Et un lave-cul. Ouais, un lave-cul ou un lave... top, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais moi je dirais plutôt que c'est un lave-cul ça. Bon, sur ce les frérots, moi je vais vous laisser là les potos parce que je vais pas vous me faire voir la caméra, je suis complètement rincé ces premiers jours avec l'avion, si ça, ouais, vraiment super rincé. Moi, on se retrouve dans les autres vidéos, c'était la vidéo que je présente comment ça s'appelle, ma chambre d'hôtel, vous l'aurez vu au moins, il y a les autres vidéos qui vont arriver, vidéo camping, vidéo visite de l'hôtel et tout. Sur ce, je vous dis tous les potos et bonne fin de journée à vous et gros big up à vous, vous allez avoir plein de petites vidéos là parce que je suis rincé, je veux pas tourner la cam.